Et coucou les petits loups, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la dernière, la 24, la dernière case, puisque le 25 on l'ouvrira dans notre petit vlog en compagnie de notre cher Benoît et de tous nos cadeaux qu'on aura pu avoir. Du coup je tenais à vous remercier pour tous les jours où vous avez suivi mes vidéos du calendrier l'Avent. J'ai été hyper ravie de faire ces vidéos tous les jours de l'année, enfin tous les jours du mois de décembre, pardon. Franchement, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, puisque personne n'a commenté en me disant qui a aimé quoi, etc. Du coup, je pense que je referai l'année prochaine avec d'autres calendriers différents de ceux que j'ai eu cette année. Et puis on verra où on en est d'ici là, puisque décembre prochain on sait pas encore ce qui peut se passer. Mais en attendant, on va ouvrir nos calendriers, notre dernière case. Ensuite ils vont tous partir à la poubelle. Il nous restera plus que celui de Friends et celui du Real Technique à ouvrir. Et on l'ouvrira avec en compagnie de Benoît, voilà. Vous avez peut-être remarqué, le make-up ressemble un peu à celui du 22-23, mais c'est fait exprès, c'est parce que on est le 24 et que du coup on va aller fêter Noël. Les petites cornes, voilà, vous les avez vues. Je les enlèverai peut-être pour du coup notre soirée de Noël, parce que ça va m'agacer. Je ferai peut-être une autre coiffure vite fait au travail avant de partir, mais ou chez KL, bref. En attendant, on va ouvrir nos calendriers et on va voir ce qu'ils nous réservent en dernier. Ah non, il y a le cojon aussi qui a le 25. Et ben on en a 3 à ouvrir pour le 25, donc on verra. Allez, on va ouvrir Technique et puis on le jettera à la poubelle. On a le 24 du coup qui est. Laissez-moi retrouver. Qui est ici, voilà. J'espère que c'est une belle surprise pour le 24. J'ai changé la couleur aussi de ma light pour que vous ayez un effet un peu plus soleil d'été. Même si on n'est pas en été. Et du coup, notre 24 nous réserve pour ce dernier jour des fossiles. Voilà, alors ils ne sont pas protégés. Des fossiles comme ceci. Et je pense qu'il faut les coller un par un. C'est un peu le caca de les coller un par un. Mais bref, je ne sais pas les poser, donc je ne les poserai pas. Du coup, voilà, nos fossiles. Fin de ce calendrier. Oh, je vous ai mis la colle avec. Pardon, pardon, j'allais oublier une petite colle de chez Technique. Mais je les utiliserai pas. J'ai horreur de ça, j'ai peur de me coller les yeux. Donc non. Et voilà, donc on a fini notre calendrier. Je vais ouvrir les cases juste pour voir qu'il n'y a plus rien dedans. Et effectivement, on n'a plus rien du tout. Passion, fini, poubelle. Allez, continuons. Alors, on va ouvrir le chocolat de Cadbury, dernier aussi, numéro 24. Comme ça c'est fait, on jette à la poubelle, c'est fini. Qu'est-ce que va nous dire le 24? Préparez-vous pour Noël. Allez, voyons. Et il nous dit Santa is on this way. Il est sur le chemin pour venir chez vous. Et oui, ce soir, minuit, petit papa Noël sera à ta maison pour te donner des cadeaux. Et du coup, nous avons la tête du Père Noël pour finir la journée et le calendrier poubelle. Allez, on va quand même ouvrir Monsieur Percy Pig pour ouvrir le 24 qui est juste ici. C'est une grande case. Les bonbons veulent toujours s'échapper. Allez, ouvrons la 24. On aura un gros chocolat. Voilà, voilà, il arrive. Et nous avons un cochon qui jette une boule de neige sur la petite case. Je vais vous montrer. Je vais enlever juste. Voilà, voilà. Et on a un gros chocolat avec écrit Percy Pig, comme la dernière fois. C'était le 19 où on a eu le même chocolat. Et sur la case, on a notre petit cochon qui jette une boule de neige. Et il nous reste le 25 juste ici qu'on ouvrira ensemble avec Benoît pour manger des bonbons. Allez, ouvrons ensuite du coup le W7 qui a son dernier jour aussi aujourd'hui. Dernier jour, et qui dit dernier jour dit dernier crayon, puisque on va avoir le crayon bleu qui est censé être un eyeliner. Voilà, comme ceci, crayon bleu dernier à ouvrir du jour. Je peux le tester, voyons, on va le tester, voir ce que ça donne. Et ouh, il est bleu marine juste ici. On verra si je peux l'utiliser. J'essaierai des make-up peut-être avec, ouais. Puisque comme j'ai fait ici, là, j'ai mis qu'au bord et j'ai pas fait de grand eyeliner. Donc du coup, voilà, voilà, on verra. Et celui-là est fini aussi, il n'y a plus rien dedans. Allez hop, poubelle, il partira tous à la poubelle. Notre dernier jour de chez Kinder, du coup.
juste ici sur celui-ci. Hier nous a donné un Kinder Country. Techniquement, le dernier d'aujourd'hui devrait être un Kinder Country, mais je n'ai pas tout recalculé. Donc nous allons voir le dernier que nous avons, numéro 24. Et c'est un Kinder Country! Victoire! Non, pas victoire. Mais bref, voilà voilà comment finir ce dernier jour de calendrier avec un Kinder Country. Ils m'ont écouté. Non, ils m'ont pas écouté parce qu'ils l'avaient déjà fait avant, mais bref. Pareil, fini, puisque je ne vais pas faire les dessins dehors. Poubelle, voilà, allez, on a fini pour ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous en reste deux, attendez, attendez. Et oh, on part pas comme ça. D'ailleurs, les petits loups, pensez à vous abonner juste ici, LM-du-bas, le tournel. Vous retrouverez tout ce que je vais faire, du coup, là, pour Noël 24 et 25. Parce que je sais que je vais poster beaucoup, même si j'emmène ma caméra avec moi. Du coup, voilà, allez-y, suivez-moi sur mon Instagram et pensez à liker, commenter et vous abonner surtout. Ça me ferait plaisir comme cadeau de Noël d'avoir plus d'abonnés là qui augmentent et qui arrivent presque jusqu'à 100, on va dire. Allez, soyons fous, allez-y les petits loups, vous pouvez le faire, je crois en vous. Bref, continuons, du coup nous avons Friends à ouvrir et celui de Real Technique que nous devons garder pour le 25 aussi puisque c'est les 3 calendriers avec Percy Pig où nous avons une case numéro 25 et celui-ci le 24 et juste ici nous allons découvrir le dernier, Rachel ou Ross? Ross je dirais, non c'est pas Rachel déjà, c'est Monica et je pense que c'est Ross aujourd'hui et Monica en dernier. Allez, ouvrons tout ça et allons voir ce qu'il y a dedans. Et c'est... Et non, c'est Monica aujourd'hui, j'avais pas raison. Nous avons l'ouverture du dernier Monica. Ah, je crois que j'ai un souci. Le dernier se promène dans le calendrier. Zut alors. Va falloir que je l'ouvre alors. Ça veut dire que le 25 demain il n'y a rien dedans. Vous croyez que je l'ouvre maintenant pour voir? Je vais ouvrir, écoutez. On sait que c'est Rose de toute façon donc on va l'ouvrir. Bah non il est là. Alors c'est quoi qui se promène dedans? Il y a un truc surprise qui se promène dedans. Attendez, attendez. On va l'ouvrir parce qu'on sait que c'est Rose de toute façon le 25. On va voir ce qu'on a dedans. Qu'est-ce qui se promène? Est-ce que c'est un truc de bracelet? Qu'est-ce que c'est? Une surprise? J'avais jamais entendu jusqu'à présent de ce qu'il y avait dedans en fait. Je pensais qu'il y avait bah, tout qui fonctionnait comme il faut. Mais non. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui se promène. Donc, désolée mais je suis obligée d'ouvrir. Qu'avons-nous qui se promène dedans? Ah, c'est les petits trucs qui tenaient toute notre petite breloque. C'est ça qui se promène. Ok. Bref, du coup, aujourd'hui, c'était Monica. Donc, on ouvrira le 25 demain, même si on sait que c'est Rose. C'est pas grave. Ouvrons celui-ci, du coup, numéro 24 pour finir. Et puis, demain, on aura le numéro 25. Mais le numéro 25 et le numéro 24 est pas très grand, je crois. Numéro 24, il est où? 21, 14, 4, 23. Attendez, je crois qu'ils n'ont pas mis 24. Ah si, il est là, pardon. On a le 24. Et le 24, c'est une barrette. Ouais, c'est une petite barrette. C'est pratique pour se tenir les cheveux quand, quand vous faites le brushing ou quand vous faites du make-up. Enfin bref, du coup, elle est comme ceci, elle est très jolie. Elle est violette. Parfait. Et bah du coup demain on va avoir ça. Ce truc là. C'est pour nettoyer le visage du coup. Les pinceaux, je sais pas exactement lequel c'est. Je crois que c'est pour nettoyer les pinceaux. Mais ce sera le dernier qu'on aura demain. Puisque c'est le dernier qui nous manque et qu'on n'a pas. Voilà. Du coup voilà les petits loups. On a fait le tour de nos calendriers. 4 calendriers sont partis. Il nous en reste 3 à ouvrir pour avoir la case numéro 25. Qu'on ouvrira demain. Et puis voilà. Sur ce les petits loups, moi je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, faites attention à vous, profitez bien de votre Noël, mais je le redirai sans doute ce soir dans la vidéo encore, puisque vous aurez celle-ci et vous en aurez une séparée pour le 24, mais qui sera mixée avec le 25, donc vous l'aurez sans doute demain. Enfin bref, bisous les petits loups, bye bye.